La villa d'Aix-sur-Brise et 3, Raphaël revient sur son départ. Il y a quelques mois, Raphaël Pépin choisissait de participer à la villa des Cœurs Brisés 3 afin de résoudre sa problématique. C'était lié à son manque de confiance envers les femmes. Fraîchement séparé de Coralie Porroveillo, il avait mis du temps à s'ouvrir à Lucie et à accepter de rencontrer des prétendantes. Raphaël infidèle à Coralie Porroveillo. Il y a presque un an, alors qu'il se trouvait sur le tournage des Anges 9, son ex Barbara Luna affirmait avoir vu Raphaël. Lors de l'arrivée de la chanteuse dans la maison, le candidat s'était carrément enfui des lieux. Peu de temps après, il rejoignait sa chérie en Guadeloupe. Malheureusement, elle est tombée sur des messages compromettants sur son téléphone. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça a provoqué leur rupture définitive. Raphaël regrette-t-il son départ? Très en retrait lors de ses premiers instants à Saint-Martin, Raphaël a fini par s'ouvrir petit à petit à Lucie. Malgré les rencontres qu'il a faites sur le tournage, le meilleur ami de Vincent Cageo n'avait que son ex en tête. Dans l'épisode diffusé hier, il a choisi de faire une grande annonce à ses camarades et a alors déclaré « J'ai envie de construire ma vie. J'ai décidé de rejoindre mon ex et pour lui dire que je l'aime. » C'est à ce moment-là qu'il est parti la rejoindre en Grèce dans les vacances des Anges 2, mais ses retrouvailles n'auront pas ravivé la flamme. Mais qu'en pense-t-il avec du recul désormais? Il a répondu sur Snapchat, « Ça a été une décision compliquée, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir faite. » Actuellement, Raphaël n'a pas donné de détails sur sa situation amoureuse. Et en ce qui concerne Coralie, elle serait en couple avec un de ses amours de jeunesse. À suivre.